Punisher a publié du contenu fake sur Jean-Fils. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de Punisher et Jean-Fils. Alors déjà, comme vous le savez ou pas, le youtubeur Punisher a publié une vidéo sur Jean-Fils. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a demandé les droits de publier la vidéo ? Parce que moi je pense que la réponse est non. Et la prochaine question que je me pose aussi, parce que ouais, il y a plusieurs questions que je me pose sur sa vidéo. Et mec, les gars, je n'insulte pas Punisher, donc n'allez pas le prévenir en disant que je l'insulte et tout. Franchement, j'ai rien contre eux sur sa chaîne. Mais les témoignages sont-ils vraiment vrais? Parce que je pense que non. Parce que déjà, je pense que non, parce que je trouve que Jean-Fils a beaucoup changé ces derniers temps. Je pense plutôt que c'est Pink qui a foutu la merde dans la Jean-Corp. Parce que elle a été là comme à moi, et je vais vous expliquer pendant toute la vidéo ce qui s'est passé avec tout ça. Alors après, une autre youtubeuse est venue, mais Pink a envoyé un message à Aprilo dès qu'elle est rentrée dans la Jean-Corp. Donc ce qui signifie que Pink veut vraiment foutre la merde dans la Jean-Corp. C'est louche, car on dirait que les deux youtubeuses avaient manigancé un plan pour faire bannir la Team Jean-Fils, alias la Jean-Corp. Certes, mais cette vidéo est courte. Alors, vous me voyez quand je vous dis que Punisher sort des témoignages fake. Mais après Punisher, je ne dis pas que tout son contenu est fake. Je dis juste que son témoignage et ses vidéos sur Jean-Fils sont fake. Après, je t'en veux pas, frérot. Tu fais comme tu veux, tu fais tout, tes vidéos, etc. On se laisse tranquille. Je veux pas que les gars allaient pas le prévenir, parce que sinon ça fait un gros drama. Et surtout, Je dis rien sur sa chaîne, hein. Je dis juste mon avis sur cette vidéo. Donc il n'y a aucun cas que ses abonnés viennent m'insulter en toute manigance, tout ça parce que je dis que son témoignage est peut-être fake. Je pense ce que j'en ai envie. Bon, du coup c'est déjà fin de cette vidéo, elle dure pas très longtemps. Faudrait que je trouve au moins un thème de vidéo qui dure très longtemps. Dites-moi aussi dans les petits commentaires ce que vous voudrez d'autre comme petite vidéo, comme celle-ci, parce que je vois que vous appréciez beaucoup. Et moi je vous laisse et je vous dis ciao ciao.